Ils sont des millions à y jouer en ce moment même. Certains se rencontrent dans des casinos, d'autres sont chez eux, devant leur ordinateur. D'autres encore se donnent rendez-vous dans des arrière-salles très confidentielles. Ils s'affrontent sous l'œil des caméras de télévision, dans le cadre de tournois internationaux, ou bien tout simplement chez eux, autour d'une table basse. Le jeu auquel ils se livrent appartient à la grande légende du Far West. Après avoir passé des années dans les oubliettes, il est aujourd'hui le jeu de cartes le plus populaire du monde. Le poker. D'où vient ce puissant engouement? Ou plutôt, qu'est-ce qui rend ce jeu si fascinant? Nous allons nous plonger dans un monde où le poisson est le perdant. Se faire traiter de poisson, de fiche, est une insulte. Le poisson est un piètre joueur. La nature du requin, en revanche, est celle d'un prédateur. Le requin, c'est le vainqueur. Il peut arriver que le poisson devienne prédateur et que le requin devienne proie. C'est dans l'ordre des choses. Nous allons prendre place à des tables où l'on se raconte des histoires. Mais méfiance, si certaines sont vraies, d'autres sont des mensonges. Gare au bluff. Et puis, ce serait une erreur de négliger la part d'imprévu de cet univers, la chance. L'univers dans lequel nous nous immergeons aujourd'hui est plutôt bien représenté dans les médias. Sur notre poker dans un moteur de recherche, on obtient plus de 300 millions de liens. Il existe des articles, blogs, pages de conseils et autres sites didactiques en ligne dans lesquels on peut trouver tout ce qu'on veut savoir et ce qu'on préférerait ne pas savoir d'ailleurs. On peut également visionner des centaines de milliers de vidéos qui montrent les dernières prouesses en date des héros modernes du poker. Des joueurs comme Ingo et Mahir appartiennent à la jeune génération qui a trouvé le chemin du poker sur Internet. Il y va ? Un adepte du slow play, il a checké sur les as. Non, il a misé au flop. C'est clair. Il sait ce qu'il fait. Pour moi, le poker, c'était avant tout un jeu de hasard. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que ça fasse appel à la stratégie, à la réflexion, ou à des formules mathématiques très pointues. J'étais persuadé que c'était du pipeau, que les grands, les joueurs professionnels, n'étaient que des personnalités creuses dont les médias avaient fait des icônes, un peu à la manière des catcheurs. Pour moi, tout ça n'était qu'une vaste supercherie. Jusqu'au jour où j'ai découvert avec étonnement que tout était vrai. Oui, la chance a sa place, mais on ne peut pas réduire le poker à la chance. Les joueurs de poker sont souvent des autodidactes. La connaissance vient avec l'expérience. Pour Ingo, tout a commencé lorsqu'il a rencontré Rustam, un jeune russe qui gagne sa vie depuis 2 ans grâce au jeu. Il participe à 10 parties en même temps. Je suppose qu'il a toujours 2 moniteurs en parallèle. Il faisait comme ça la dernière fois. Attendez, il va ouvrir. Ouvre, roi du poker. Salut, ça va? Ça va. Super, et toi? Salut. 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 On s'installe? Au départ, je ne l'ai pas cru quand il m'a parlé des grosses sommes qu'il avait remportées en jouant au poker. Et il m'a montré les statistiques sur lesquelles il s'était basé et comment il avait fait. Et franchement, il gagnait très bien sa vie. Lui et moi, on est devenus amis. J'ai appris énormément de choses sur le poker auprès de lui. À force, je me suis perfectionné.
J'ai découvert récemment à quel point le timing était important. Depuis le temps que je te le disais. Ouais, mais bon. J'ai une paire d'as au flop. Je cogite pendant des heures sur ce qu'il va faire et je te garantis qu'il mise encore au turn. On peut aussi gagner de l'argent en jouant. Quand j'ai compris ça au tout début, j'ai trouvé ça génial. Bien sûr, je peux tout aussi facilement en perdre beaucoup. Mais je crois malgré tout qu'une grande part de la fascination vient de là. Sans argent en jeu, des millions de gens ne joueraient sans doute pas chaque jour au poker. Mais l'appât du gain justifie-t-il à lui seul l'envie de s'asseoir à une table de poker ? And now you're watching the biggest pot in the history of high stakes poker. $743,000 and change. This is unreal. Quand je joue avec des amis, le plus souvent, on a surtout envie que ça bouge. Du coup, on fait des mises qui tournent autour de 20, 30 ou peut-être 40 euros. Mais pas plus. La plupart des gens découvrent le monde du poker en participant à des soirées privées comme celle-ci. En général, ils ne cherchent pas à évoluer à l'extérieur de ce cadre. Ce n'est sûrement pas ici que leurs rêves de fortune se réaliseront. Ils trouvent leur plaisir dans la convivialité du jeu. Mais nous avons en nous comme un réflexe archaïque, un besoin enfoui au fond de notre cerveau, le goût de l'affrontement, du duel, du bras de fer. Avec de l'audace, de l'habileté, de la confiance en soi et un petit coup de chance au bon moment, on peut être le vainqueur d'un soir. C'est encore mieux qu'au casino. Mais un jour ou l'autre, les joueurs ambitieux de la veine d'Alex sont attirés par des enjeux supérieurs. Ils partent en quête de cercles où le poker a toujours été joué dans la clandestinité. Rares sont ceux qui s'inquiètent sérieusement du fait que leur pratique soit illégale. Ce qui leur inspire la crainte ou le respect, ce n'est pas une descente surprise des forces de l'ordre, mais plutôt certains adversaires qu'ils affrontent dans les arrières-salles. On se retrouve régulièrement et on met en jeu de grosses sommes. Je suis un peu stressé, je vais voir à quelle sauce je vais être mangé. Je dois essayer de garder mon sang-froid, surtout au début. Éviter de donner l'impression que je suis le petit nouveau à plumer. Je risque fort d'être un tout petit poisson très vulnérable dans la fosse aux requins. Ici, on joue au Texas Hold'em No Limit en cash game, c'est-à-dire que les jetons ont une vraie valeur en euros. On peut en racheter au fur et à mesure, de façon à jouer aussi longtemps qu'on le souhaite. Le cash game, c'est le poker à la mode capitaliste. Ingo, pour sa part, préfère les casinos. Ici, il participe à une variante du cash game, le tournoi. C'est pour ainsi dire le poker à la mode socialiste. Chaque joueur démarre avec la même somme, le même nombre de jetons, les mêmes chances de gagner. Mais il ne joue qu'une seule fois. Quand il n'a plus de jetons, il quitte la table définitivement. Le vainqueur est celui qui a tous les jetons de ses adversaires devant lui à la fin de la partie. Il peut empocher jusqu'à 1000 euros. C'est sans doute la combinaison d'informations connues et inconnues, donc une certaine transparence, qui suscite un tel enthousiasme pour le poker moderne. Chaque joueur reçoit deux cartes fermées qu'il est le seul à connaître. S'y ajoutent l'une après l'autre cinq cartes communes à toute la table. Le flop, le turn et la rivière. Les joueurs utilisent ces cartes pour compléter leur jeu. Autant d'indices qui permettent à chacun de déduire des informations importantes sur la main de ses adversaires. La partie elle-même se déroule en quatre tours d'enchères maximum, avant et entre la révélation des cartes communes.
À partir de ce moment, on raconte des histoires. Certaines sont vraies et d'autres non. Miser ou relancer, est-ce que ça veut dire qu'on a une combinaison forte? Et si on ne fait que suivre, est-ce que c'est parce qu'on attend une carte ou est-ce pour faire mine d'avoir une main faible? On peut croire ce que disent les autres ou partir du principe qu'ils cherchent à nous mener en bateau. Une chose est sûre, on a un certain nombre de choix à faire. Et si on veut faire les bons choix, il faut évaluer ses adversaires et bien lire sur leur visage. Toute la partie s'articule autour de ce qu'on connaît des autres et aussi, surtout, de leur expérience. À la table, on est comme sur scène, dans un rôle. On enfile un masque et on donne une image de nous-mêmes qu'on va garder jusqu'à la fin de la partie et avec laquelle les autres vont composer. Par exemple, quand on a une image de joueur très prudent, on se donne la possibilité de bluffer dans des situations où on n'a absolument rien en main, en faisant croire qu'on a d'excellentes cartes. Le fait de passer pour un joueur prudent et raisonnable nous confère naturellement une certaine crédibilité. On ne ment jamais plus qu'à une table de poker. Ici, il n'y a pas de vérité absolue qui tienne, et on ne peut pas compter sur la parole de l'autre, car notre adversaire est de taille. C'est le bluff. Le bluff, on sait qu'il existe, mais pas où il se cache. Il représente la part anarchiste du poker. Il démolit les certitudes et empêche les protagonistes de se sentir en sécurité. Au poker, le mensonge calculé est autorisé. Il joue même un rôle déterminant dans la stratégie. Et lorsqu'il est couronné de succès, il est magistral. Il est impossible d'avoir de bonnes cartes à chaque main, d'où l'intérêt de savoir composer au bon moment pour donner un coup de pouce à la chance. En ce qui me concerne, j'essaie généralement de donner une image de moi qui n'est pas spécialement celle d'un joueur prudent. Ce serait plutôt le contraire. Je veux passer pour quelqu'un d'inconséquent, de très agressif, d'imprévisible. Je suis celui qui risque tout quand il n'a rien. De cette façon, quand j'ai une bonne main, j'ai de grandes chances de toucher le gros lot. Je suis le genre de joueur qui recherche l'action. Je suis un boulimique. Je mise facilement au flop et je ne crains pas la confrontation. Par exemple, quand j'ai une bonne intuition sur telle ou telle main, je vais avoir tendance à m'y fier, même si l'action ne semble pas raisonnable, d'un point de vue strictement mathématique. Je fonce parce que j'ai l'intuition que ça peut marcher, mais du coup ça marche. Cela dit, je dois avouer que ces derniers temps, j'ai essuyé un certain nombre de revers. Mes intuitions n'ont pas été extraordinaires. Faut-il se lancer dans une aventure hasardeuse sur la seule foi d'une conviction profonde? Ou est-ce que la somme de ses observations inconscientes et de ses expériences entraîne intuitivement le joueur à prendre la bonne décision? L'amateur suit plutôt son instinct. Le joueur confirmé, en revanche, se fie davantage à la puissance inébranlable des mathématiques. À partir de quelques formules, il fait des calculs de cotes pour chaque partie. Un bon joueur ne se mouille que si les statistiques lui sont favorables. Sur le long terme, s'il joue beaucoup de mains, il est quasi certain de remporter une victoire. Mais sur le court terme, il se peut que la chance du débutant lui fasse obstacle. À la donne, la paire de dames est une main très forte, la troisième après les as et les rois. Alex est a priori le joueur le mieux loti de la table. Il peut commencer à faire monter la pression pour décimer ses adversaires. Pour relancer, seuls les adversaires qui ont d'aussi bonnes cartes pourront suivre, pourvu qu'il n'y ait pas d'as ou de roi dans le flop. Que faire? Si on se fie à la raison, on se dit qu'un des adversaires a peut-être un autre as dans sa main, donc une paire d'as, donc une main plus forte. Il faut laisser tomber. Si on obéit aux lois mathématiques, on se dit qu'on a environ 15% de chances d'améliorer la main au prochain tour. Un brelan de dames, par exemple. On attend. Si on se base sur l'expérience, on se dit qu'il y a du bluff dans l'air. Et l'intuition, alors? Je suis. Turn.
Tapis. Il fait tapis. Je suis. Tapis, il suit. Ma main est moins bonne. Non, elle est moins bonne. Roland de Vallée. Les dames. Roland dame. La chance, pas la chance. Parfois elle est avec nous, parfois contre nous. Elle est rarement distribuée équitablement, mais elle fait partie du poker. Au début de la soirée, c'était Ingo le chip leader, mais son tas de jetons s'est soudain mis à diminuer à toute vitesse. Un de ses adversaires a un as et un 5 et pousse ses derniers jetons vers le centre de la table, plein d'espoir. Ingo a un as et un roi et n'hésite pas à faire tapis. Il a une cote de 70 pour 30. Mais le flop apporte un 5 à son adversaire et un brelan à la rivière. Il avait tout fait dans les règles de l'art, pourtant il perd. La chance. Quelques tours plus tard, il tire sa révérence. C'est l'issue classique des tournois de poker. Tous les joueurs doivent apprendre à l'accepter. À sa table se trouve une des joueuses les plus réputées du circuit, Sandra Naouyox. Elle a participé à son premier tournoi en 2006. Au départ, je me suis retrouvée là par hasard. J'ai commencé en ligne, comme la plupart des gens de nos jours. Mais le vrai déclic, je l'ai eu quand j'ai joué en live. J'ai découvert que c'était vraiment ça qui me plaisait dans le poker. Essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête des autres joueurs, les observer, me faire une idée sur eux et sur leur jeu, déceler les indices, repérer leurs faiblesses et les exploiter. Ce qui m'intéresse, c'est le côté psychologique du jeu. C'est vraiment ce qui m'a poussé à dire, c'est ça que je veux faire, ça et rien d'autre. Et puis, il s'est trouvé que j'ai emménagé à Berlin, où je ne connaissais personne. Je me suis dit qu'il fallait que je me fasse des amis, mais les cours de danse, ça ne me bottait pas trop. Alors, je suis entrée dans un casino, parce que le poker, je savais faire et que c'était un bon moyen de rencontrer du monde. Je me suis présentée à l'entrée d'un casino un soir et j'ai cassé la baraque. Du coup, je n'étais absolument pas frustrée. Je ne suis pas repartie en me disant « plus jamais ça ». Au contraire, ça m'a motivée à recommencer et à me dépasser. Elle connaît le premier temps fort de sa nouvelle carrière en 2009 à Dortmund, pendant un des plus gros tournois du circuit avec 700 participants. Au bout de 4 longues journées à jouer avec acharnement, elle gagne sa place à la table finale. Je ne me suis pas vraiment rendu compte. Malgré les caméras et le public, j'étais ailleurs, dans mon monde. Je joue au poker, un point c'est tout. J'aurais pu tout aussi bien me trouver dans un casino ordinaire, ça aurait été pareil. Je n'avais aucune conscience de l'enjeu. Le donneur va-t-il poser un 9 ? Sandra mène avec deux paires, les as et les neufs. Qu'y a-t-il dans la rivière ? Un 8. Tonight, it's all about Sandra, only the second lady ever to win an EPT title. She said it was her destiny, and she was absolutely right. Après le tournoi, j'ai paniqué. J'étais dans ma voiture de location. Je rentrais chez moi et j'ai brutalement imaginé ce qui m'attendait. Est-ce que je voulais rentrer à Berlin et affronter les questions de tout mon entourage, de ma famille ? Non, vraiment pas. Alors, j'ai pris la première rue, j'ai entré hôtel dans mon GPS et j'ai passé 2 jours dans un hôtel spa où je me suis fait dorloter et j'ai regardé la télé sans faire tourner mon cerveau. Et là, j'ai fini par prendre conscience de ce qui s'était vraiment passé et de ce qui allait changer dans ma vie. Comment j'allais gérer ça ? Wunderbar. Jetzt brauche ich mal einen Gewinner. Blick. Okay. Ja, genau den. Sandra obtient la vie de rêve de tout joueur ambitieux. Elle signe un contrat lucratif et fait de son passe-temps un métier.
Aujourd'hui, elle voyage 300 jours par an dans le monde entier. Elle va de tournoi en tournoi. Sa prochaine étape, c'est la finale de l'European Poker Tour à Monte Carlo. Le monde du poker aime se parer de superlatifs, y compris dans ses versions numériques. Des millions de joueurs se rencontrent 24 heures sur 24 sur diverses plateformes. Selon les tables, les mises peuvent aller de quelques centimes à plusieurs milliers d'euros. Dans cette arène, on assiste à la naissance de millionnaires et à beaucoup de traversées du désert. Tout semble se dérouler de la même façon que dans le poker en live, à une exception près. On ne peut pas regarder ses adversaires dans les yeux. Impossible de lire dans leurs pensées. Derrière des pseudos se cachent de vrais joueurs en chair et en os. On peut affronter des Lettons, des Français, des Chinois, des Russes et des Mozambicains et spéculer sur leur façon de jouer. Lorsqu'un joueur met longtemps à réagir, est-ce que ça signifie qu'il n'arrive pas à se décider ou est-il occupé à répondre au téléphone, à réceptionner une pizza ou à se disputer avec sa petite amie? Les informations dont on dispose sont maigres et les interprétations difficiles. Oui, l'as au turn. Non, et le 10. Merde. Ich gewinne mehr als dass ich verliere. Das auf jeden Fall. Je gagne plus souvent que je ne perds, c'est un fait. Même quand ce sont que de petits montants, je suis content, bien sûr. Quand ça me rapporte un peu. Mais comme source de revenus, ça ne suffit pas. C'est plutôt un salaire d'appoint. Avec mes As, relance UTG à trois fois la grosse blinde en cash game. Dans l'espoir que ce type fasse monter les enchères. Mais non, il se couche et mes deux As m'ont rapporté la somme faramineuse de 15 centimes. Extraordinaire. Ingo et Mahir chassent le menu fretin. Mais ils ne doivent pas pour autant baisser leur garde, car les grands requins voraces ne se refusent jamais un bon petit repas. Trois de ces requins vivent ensemble en colocation sur l'île méditerranéenne de Malte. Ils se sont offerts un grand appartement spacieux avec vue sur mer et sur le casino. Vous y êtes déjà entré, vous ? Moi, j'ai déjà joué au casino, mais bon. Ça va peut-être vous paraître étonnant, mais ça nous intéresse pas trop. On trouve ça un peu barbant de jouer au poker autour d'une table. Ces requins ne chassent pas les poissons seuls. Ils s'attaquent au banc entier. Ils tapent dedans et isolent les plus faibles. On pourrait croire à première vue que la quantité tue la qualité, mais ce serait une considération très superficielle. Pour jouer à 20 tables à la fois pendant des heures d'affilée, il faut non seulement mettre au point une méthode ingénieuse, mais aussi déployer un talent et une discipline à toute épreuve. Moi, je superpose toutes les tables. On voit ici toutes celles auxquelles je joue en ce moment. Elles sont toutes ici. Quand j'ai une main intéressante, je clique sur la table en question et je regarde ce qui se passe de plus près. D'autres joueurs préfèrent avoir toutes leurs tables sur une même page en mosaïque. Pour moi, le plus important, c'est de jouer aux tables les plus intéressantes. Les tables où se trouvent au moins trois mauvais joueurs. Mais ce n'est pas toujours facile. On est en permanence à la recherche de la bonne table et il faut prendre des notes sur les erreurs qu'on arrive à détecter ou bien sur ceux qui lâchent plus facilement leur argent que d'autres. Au final, c'est souvent eux qui rapportent le plus. Pour avoir une bonne vue d'ensemble, j'étiquette les bons et les mauvais joueurs, de façon à les reconnaître tout de suite. Par exemple, je vois qu'à la table de 9, j'ai déjà 4 profils marqués en orange. Là, je vois un joueur violet, un très mauvais joueur contre lequel j'ai déjà joué par le passé. Ma couleur préférée, c'est le vert.
Ça représente un fish qui peut me rapporter énormément d'argent. Dès que le fish est déficitaire, je quitte la table. Parce que sinon, je dépense trop d'énergie pour trop peu d'argent. Quand je joue en ligne, je ne vois pas le type qui est en face de moi. Je vois seulement ce qu'il fait. Je vois sa façon de jouer, jusqu'où il est capable d'aller. J'ai un petit logiciel qui observe les joueurs à ma place. Du coup, je ne travaille quasiment qu'avec des chiffres. Ça doit vous faire un peu bizarre. En gros, les plus utiles sont les trois premiers, les chiffres qu'on voit en haut. Un type qui joue à 13%, c'est quelqu'un qui joue serré. Ah, j'en ai un, ça y est. 52-19, c'est notre fiche idéale. Lui, c'est quelqu'un qui joue trop de mains et qui, par conséquent, va perdre beaucoup d'argent. Et ça, ce sont les adversaires qu'on cherche à avoir. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut avoir de bonnes cartes face à ces gens-là, parce qu'ils ne se couchent jamais. Celui-ci est particulièrement agressif. Là, vous voyez, c'est une attitude particulièrement agressive. Personne ne relance quatre fois dans cette situation. Des milliers de mains jouées chaque heure, et autant de choix à faire. C'est ici que les calculs de probabilité prennent tout leur sens. Le facteur chance est réduit à sa plus simple expression pour faire place aux gros chiffres. Sur quelques mains, l'amateur peut battre le professionnel, mais sur des millions, c'est quasiment impossible. Les amateurs seraient étonnés de voir à quel point ils sont transparents et prévisibles pour les professionnels bien équipés. Finalement, c'est comme tout le poker. 90% des joueurs perdent et seule une élite gagne de l'argent. Nos adversaires viennent de toutes les catégories socioprofessionnelles. De l'ouvrier au chômeur, en passant par le lycéen, le banquier, même le juge. On n'a pas le temps de se préoccuper de ce genre de détails. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance d'où ils viennent et l'état d'esprit dans lequel ils sont. Nous, on fait notre boulot. C'est une question à laquelle ils ne voudront jamais répondre, mais on peut aisément imaginer que leur revenu annuel se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros, une somme qui les place dans la moyenne des professionnels du poker. Il faut que je fasse une pause pour aller aux toilettes. Mais je ne peux pas simplement me lever. Ce serait comme leur offrir de l'argent sur un plateau. J'ai lu sur un forum qu'un type avait perdu tellement d'argent en allant aux toilettes que, depuis, il avait toujours une bouteille vide à portée de main. Pisser aux chiottes, c'est pour les nazes. Quand on est pro, on pisse dans une bouteille. C'est ici, à Monte Carlo, qu'aura lieu la grande finale de l'European Poker Tour, qui est considéré comme le tournoi européen des élites. Toute l'année, on s'y prépare et on s'en réjouit d'avance. Il devrait y avoir entre 800 et 900 joueurs, plus près de 900 d'ailleurs. Chacun d'entre eux a avancé un buy-in de 10 000 euros. Ce n'est pas une petite somme, ça devrait générer un pot conséquent. On va très certainement assister à la naissance d'un millionnaire. Qui peut se permettre d'avancer des droits d'entrée pareils pour une partie de poker? Un certain nombre de participants n'y sont pas tenus. Ils ont obtenu leur billet en le remportant sur des petites opérations Internet ou lors de tournois de qualification. Les autres sont des professionnels du poker qui se spécialisent dans ce genre d'événements. Entre les deux catégories, on trouve quelques vénards qui en ont tout simplement les moyens ou des passionnés prêts à dépenser jusqu'à leur dernier centime dans l'espoir de toucher le gros lot. Bien évidemment, il y a dans la salle une ou deux personnalités, comme Boris Becker par exemple, qui font la promotion de portails Internet. Je joue énormément sur Internet chaque jour.
Je ne sais pas si on peut appeler ça une drogue. La définition de l'addiction au poker, c'est de ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit d'autre de sa vie, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. Moi, je joue pour gagner. Certains, comme le célèbre handballeur Stefan Kretschmar, se sont inscrits sans avoir la moindre idée de ce qui les attend. Le tournoi dure 5 jours. On joue 12 heures par jour. Tu as 30 000 jetons, les blindes augmentent toutes les heures. On commence à 25 et 50, puis 50, 100, puis 75, 150. De toutes petites mises, tu as beaucoup de temps pour jouer. 12 heures par jour. En gros, tant que je reste dans la partie, je joue 12 heures par jour. Oui. Enfin, 12 heures en tout. On joue vraiment pendant 10 heures, 9 ou 10 heures. Ah, je vois. Oui, avec les pauses, on arrive à 12 heures. Est-ce qu'ils vont remarquer que je suis un débutant? Ils ne mettront pas longtemps, à mon avis. Arrête un peu. Moins de 10 minutes, je dirais. Ah, oh, t'exagères. La moyenne d'âge est étonnamment basse. Mais dans le tas, il y a aussi des professionnels qui se sont pris de passion pour le poker, bien avant que ça ne devienne un jeu populaire. Quand je me suis mise au poker, il y a 11 ans maintenant, ça n'existait pas encore sur Internet. On ne pouvait pas échanger comme on le fait aujourd'hui. On ne trouvait aucune documentation. Seulement quelques vieux manuels pourris qui s'achetaient sous le manteau. Mon mari était allé m'en chercher à Las Vegas pour que j'aie au moins quelques conseils stratégiques à me mettre sous la dent. Parce qu'on se disait toujours qu'il devait bien y avoir une stratégie. Aujourd'hui, le poker, c'est un jeu très ouvert. On ne joue plus du tout en secret. Les joueurs, tous autant qu'ils sont bien mieux informés qu'on l'était à l'époque. Il y a des tournois à l'appel, on ne sait pas lequel choisir. Alors, Katia, tu vas où demain? À Chypre? Non, à Bali ou peut-être à Monte Carlo. Je ne sais pas, mon cœur balance. On a un tel choix. Et chaque jour, il y a de nouveaux gagnants parce que les gens jouent en masse. Il y a 7-8 ans, ne serait-ce que 5 ans en arrière, lorsque je disais aux gens que je jouais au poker, ils me regardaient de travers. Quoi? Au poker? Et ils ne savaient pas trop quoi en penser. Ils se demandaient si je travaillais dans le milieu de la prostitution ou bien si la nuit, je me retrouvais avec des gens qui se tiraient des balles dans le genou sous la table en fumant le cigare et en se cachant derrière des cartes. C'était encore quelque chose d'extrêmement rare. Aujourd'hui, c'est devenu... C'est même cool de jouer au poker. Quand un jeune de 22 ans raconte à ses potes qu'il est professionnel de poker, il passe pour une superstar. Les temps ont bien changé. Se ressourcer une dernière fois, dormir un peu avant le combat sans merci, dans cette ville où même les immeubles ressemblent à des tours gigantesques de jetons de poker. On va descendre prendre l'air. Tu nous accompagnes? Tu l'as réveillé? C'est interdit, ça. Son sommeil, c'est sacré.
Il faut le laisser dormir pendant au moins 10 heures, si on veut qu'il soit de bonne humeur. En général, je me lève vers 14 ou 15 heures. Je prends mon petit déjeuner quand je le sens. Si j'ai faim, je vais regarder ce que j'ai à manger. Parfois, mon petit-déj, c'est de la paella. Ensuite, ça dépend. Une fois que je suis bien réveillé, je vois si j'ai un truc à faire en particulier. Parfois, je sors un peu. Ça m'arrive. Sinon, je traîne jusqu'au soir, quand je commence à jouer. En gros, mes journées ressemblent à ça. Je joue peut-être jusqu'à 5 heures du mat et je me recouche. C'est ma journée type. J'appelle ça de la cuisine de niveau 1. Quand j'arrive à faire cuire un truc dans la poêle. Le niveau 0, c'est une pizza au four. Là, c'est du niveau 1. L'accès facile au savoir grâce à Internet fait constamment augmenter le niveau. Les joueurs s'améliorent au fil du temps. Les professionnels, qui ont bien gagné leur vie jusqu'ici, se rendent compte brutalement que leur courbe de réussite bascule dangereusement dans le négatif. Crazy Ship offre aux jeunes professionnels une formation à distance pour améliorer leur jeu. Tu t'es couché alors que t'avais des 9? Fallait pas. Enfin, fallait pas. Moi, je me serais pas couché avec des 9. Oui, vraiment, c'est trop serré. Le poker, c'est un travail. Sans aucun doute. Pour un type qui ne fait que ça, c'est un vrai travail, au sens propre. Le plus important, c'est avant tout de savoir réfléchir logiquement. Chacune de nos décisions doit correspondre à une stratégie. Deuxièmement, je trouve ça essentiel d'avoir un mental stable et une discipline de fer. Pour finir, la gestion du bankroll. C'est une chose qu'il faut maîtriser à fond. L'argent qu'on a pour jouer, le professionnel ne le considère pas comme de l'argent. C'est son outil de travail. Et on ne rigole pas avec un outil de travail. Super Reaper est un joueur très large. Il a 43 et 26. Ce qui veut dire que As-Dame domine sûrement son panel. Tu auras l'air très fort si tu relances depuis la petite blinde. Daria ne doit pas être très fort. Il ne fait que suivre quand le jeu est large. Normalement, si Daria avait une bonne main, il aurait relancé. Normalement. Parce que ça ne lui aurait pas échappé que Super Reaper était très large. Alors, normalement, tu devrais remporter la main au flop. Et voilà, c'est bien ce qui se produit. Il y a un dicton. Quand on est numéro 10 mondial au poker, alors on n'aime pas s'asseoir à la même table que les 9 autres. Dans l'absolu, un joueur de poker doit toujours aspirer à être à une table où les autres jouent moins bien que lui, pour avoir un avantage sur eux dès le départ et gagner de l'argent. Beaucoup de gens trouvent que le plus dur, c'est le premier jour. Il faut s'immerger, s'asseoir avec des inconnus à une table et tout d'abord les observer et les évaluer. Ils peuvent voir passer jusqu'à 500 mains ce jour-là. Et c'est encore le hasard qui va influencer leur destin. À la fin de cette première journée, la moitié des participants aura déjà été éliminée. C'est un
C'est un sport individuel, un combat en duel. En réalité, à la table, c'est la guerre. Nos armes sont les jetons, et chacun essaye de renforcer ses positions. Plus j'ai de jetons, plus je peux faire pression sur mes adversaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on cible une victime. On lui donne une correction et on l'écrase en lui montrant qu'il ne remportera pas la moindre main. C'est une arme psychologique qui s'utilise à ce jeu. Des gens qui essayent de vous intimider, il y en a beaucoup. Il faut être capable d'encaisser, surtout quand on est une femme. Mais personnellement, je trouve que ce sont ceux qui ont le plus gros ego qui n'arrivent pas à se maîtriser à la table. C'est eux que l'on plume le plus facilement. Ici, on ne porte pas des lunettes de soleil pour le style. C'est un outil de travail important qui rend les joueurs impénétrables. La musique adoucit les mœurs, mais surtout, les écouteurs protègent des bruits monotones et répétitifs du tournoi. Ces incessants murmures et cliquetis de jetons. Les deux premières heures sont passées. C'est le moment où l'on scrute ses adversaires. Toi, es-tu agressif? Es-tu serré? Es-tu prudent? On commence avec 30 000 jetons. Si j'arrive à ajouter ne serait-ce que 50% à ma mise, je sortirai déjà avec une belle somme. La réputation glamour de Monte Carlo attire beaucoup de superstars de renommée internationale. Contrairement à d'autres sports, elles ne font pas leur apparition à un stade avancé du tournoi, une fois les premières sélections passées. Elles entrent dans le jeu dès le début et doivent se battre constamment pour survivre, comme tout le monde. Je suis arrivé au tournoi. Vous savez que c'est la grande finale, un événement extrêmement prestigieux. Et j'ai décidé dès le départ que j'allais rester très concentré et ne rien manquer de toutes les actions. Au bout de 3 ou 4 heures, j'ai senti que j'avais à peu près cerné tout le monde. J'ai compris que ce type-là, quand il avale sa salive, c'est qu'il bluffe. Et l'autre, quand il parle trop, c'est qu'il a de bonnes cartes. J'ai déjà assimilé la gestuelle de tout le monde. On fait tous des mouvements incontrôlés qui peuvent en dire long sur la main qu'on a. Par exemple, au moment du flop, on scrute les yeux du mec d'en face. S'il jette un œil sur ses jetons, et c'est totalement inconscient, ça veut dire qu'il aime ce qu'il voit, donc il envisage de relancer. Quand on remarque ça, on sait qu'il est content. Méfiance. Si le même gars regarde le flop, puis s'écarte en soufflant, ça veut dire qu'il a rien. Ça marche pas à tous les coups, mais si on observe bien les autres joueurs, on peut découvrir des gestes inconscients chez tout le monde. C'est ainsi que certains tas de jetons grossissent. Mais de plus en plus souvent, on entend retentir les annonces froides des donneurs. Sit open. Les perdants partent en silence, sans se faire remarquer. Encore un espoir perdu, un rêve brisé. Stéphane Kretschmar ne tient pas très longtemps. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris déjà qu'il faut être décontracté et savoir prendre son temps dans ce genre de tournoi. Parce que ça dure 5 jours. Je ne sais pas si ça aurait mieux marché contre d'autres adversaires. Mais je suis convaincu qu'ils ne te regardent pas avec les mêmes yeux et ne jouent pas de la même façon lorsqu'ils comprennent que tu débutes. Je n'ai pas transpiré ni quoi que ce soit, mais j'ai été trahi par ma façon de jouer. Ce sont des pros, c'est clair. On ne s'assoit pas à la table avec eux comme ça. C'est un peu démoralisant. On arrive ici, on est un amateur, on veut essayer de participer à ce gros événement à Monaco et on a une chance. Le hasard aidant, si on prend la bonne décision au bon moment, si on a la bonne carte au bon moment, on a une chance de battre le champion du monde. C'est ça qui est fascinant. Et aussi le fait que dans le poker, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de distinction entre le juste et le faux. Tout dépend de l'adversaire, de la situation, de notre état d'esprit, du sien. Parfois, ça vaut le coup de tenter le gros bluff. Mais si on se fait pincer, c'est terrible. On peut se faire sortir du tournoi. Il faut être fin psychologue, pas mal matheux. Et ensuite, selon l'adversaire et notre état d'esprit, on peut aller en finale ou se faire sortir dès le premier jour.
En début de soirée, la plupart des superstars ont déjà disparu. Phil Ivey, considéré comme le meilleur joueur de poker à l'heure actuelle, reste à la table la durée de son massage. Je passe un excellent moment ici, mais je profite de la pause pour m'occuper de mes affaires. Ça me permet de rester concentré pendant la partie. C'est intense. Pendant la pause, Daniel Negreanu est très sûr de lui. Pourtant, peu de temps après, il quitte lui aussi la table sur la pointe des pieds. Puis, un peu avant la fin du premier jour, c'est au tour de Sandra Naujoks. Elle a envoyé le tapis avec ses dames, mais son adversaire avait malheureusement des rois. Même les cartes communes n'ont pas pu l'aider. C'est fini. Statistiquement parlant, on remporte de l'argent une fois tous les 10 tournois. Il faut respirer profondément et rassembler tout son courage quand on se fait sortir après 3 bad beats d'affilée. Il faut l'accepter. C'est aussi ça, le poker. Même les joueurs les plus talentueux, avec les techniques les plus infaillibles, ne peuvent pas gagner à tous les coups. Certes, on peut réduire la part de hasard, mais on ne pourra jamais la maîtriser totalement. J'ai perdu 1000 dollars dans les 10 dernières minutes. Je réessayerai plus tard. La plupart des gens ne voient que le côté super cool de la vie de professionnel du poker. Ils ne voient pas les mauvaises passes. Pourtant, on traverse des périodes noires pendant lesquelles on a vraiment la poisse. On joue des milliers de mains qui tournent systématiquement mal. La malchance, ça existe au poker. C'est même une des caractéristiques du jeu. Même si je fais tout ce qu'il faut, si je ne trouve aucune erreur dans ma façon de jouer, je dois m'armer de patience et continuer à jouer jusqu'à ce que je recommence tout doucement à gagner. La dernière fois que j'ai eu envie de chialer, je crois que c'était l'hiver dernier. En décembre, si je me rappelle bien. J'ai dû perdre dans les 14 000 dollars en 2 jours. Ensuite, je me suis senti comme si... Je sais pas. Comme si je m'étais fait rouler dessus par un bus. Quand on joue au poker, c'est toujours en dents de scie. Il nous arrive de tomber très bas. Psychologiquement, ça peut être très lourd à porter. Plus lourd que des boulots classiques de bureau, par exemple, je pense. Quand on démarre dans le poker, il faut se demander avant tout si on est vraiment prêt à en supporter les inconvénients. Pour les avantages, il n'y a pas de question à se poser. Ça va de soi. Mais il y a des jours, des semaines ou même des mois entiers qui passent sans que rien ne soit fluide, où chaque partie est difficile. Si on est du genre à se laisser ronger et à perdre son mental, alors on ne peut pas sérieusement envisager une carrière de joueur professionnel. On doit être capable de traverser ce genre de période, parce qu'aucun de nous n'y échappe. Le lendemain, il ne reste que la moitié des participants. La plupart d'entre eux sont des joueurs professionnels européens. Ici et là, on découvre un nouveau visage. Tandis que certains ont la chance de se demander comment ils vont agencer tout leur tas de jetons, d'autres ont de plus en plus de mal à retrouver leur souffle. Avec les jetons qui leur restent, ils n'ont plus d'autre choix que de passer en mode push or fold. Ils ne peuvent plus relancer. Alors avec des cartes moyennes, ils suivent et croisent les doigts. Et là, soit ils s'écroulent, soit ils doublent leur mise et survivent. Petit à petit, on perd la notion du temps. Les survivants sont tous logés à la même enseigne. Les mises de départ grimpent inexorablement. 30 000 euros, le tas entier avec lequel on avait débuté le tournoi il y a 3 jours. C'est la mise de départ de chaque partie. Et l'impitoyable inflation progresse toutes les heures. Re-raised all in.
Même ceux qui ont de gros tas de jetons en sont réduits de plus en plus souvent à passer en mode push or fold. Le hasard occupe une place de plus en plus importante. Chaque mot peut être un arrêt de mort. Ils s'épient les uns les autres pendant de longues minutes, ressassent les moindres détails dans leur tête. Comment mon adversaire a-t-il tendance à jouer ces derniers temps? Est-il agressif ou plutôt prudent? Se trahit-il par certains gestes? Perd-il son calme lorsque je prends mon temps pour réfléchir? Ou a-t-il tout simplement un monstre entre les doigts? Les joueurs restants commencent à gagner de l'argent. Chaque fois que l'un d'entre eux quitte une table, les enjeux augmentent un peu. Ils le savent très bien et ils craignent d'autant plus de faire un mauvais choix si près du but. Bientôt, les 8 finalistes vont émerger et leur partie sera filmée. Ils se sont déjà beaucoup donnés, ont survécu à 4 jours intenses, mais la plupart d'entre eux tomberont bientôt dans l'oubli, car au poker, seul le vainqueur compte. Le Libanais Nicolas Chouiti est le chip leader de la table. Avec 10 millions en poche, j'ai une position confortable. Ça représente environ un tiers des jetons, un peu plus même. Alors oui, je me sens en confiance et je me réjouis de jouer cette partie. Souvent, l'équilibre se rompt une fois de plus à la table finale. Nicolas Chouiti est en veine, contrairement à ses adversaires qui abandonnent les uns après les autres. He does have two aces. Oh, come on. It's ridiculous. Eights for Klinger. I'm all in. Call. And he makes his move, insta-call. Par une belle journée ensoleillée, Chouiti quitte Monte Carlo plus riche d'€1,7 million. Tard dans la nuit, Crazy Chip essaie un nouveau portail. Prudent, il ne participe d'abord qu'à 4 tables et se passe de son fidèle logiciel. Il chasse un seul poisson qui se montre un peu récalcitrant. Il est là avec $1,500, dont 400 m'appartiennent. S'il a un as, je peux récupérer tout son tas de jetons. Il n'a pas d'as. D'habitude, un type normal mise entre 20 et 35% de sa main, en gros. Ce joueur mise 80%. Ce n'est pas rentable du tout, et je cherche à l'exploiter. Ah, c'est peut-être la bonne. Dommage. Ce poisson a beaucoup de chance. Il arrive à s'extraire habilement de toutes les situations et à gagner. Cette nuit, Crazy Chip s'est rendu à l'évidence qu'il ne mangerait pas le poisson. Sa proie a remporté $2,000 en misant 400 et finira par lever le camp. Tous chasseurs que nous sommes, nous devenons des proies de temps à autre. C'est logique. Nous nous asseyons à une table et nous ouvrons les hostilités pour obtenir la reconnaissance, l'argent, la satisfaction personnelle. Nous nous mesurons à une chance très volatile et regrettons ensuite les rares moments de perfection que ce jeu nous a fait connaître. Nous menons une lutte acharnée avec toutes les armes qui sont à notre disposition. Mais parfois, nous devrions savoir quand et comment lâcher prise.
ou à se disputer avec sa petite amie. Les informations dont on dispose sont maigres et les interprétations difficiles. Oui, la sauterne. Non, et le 10. Merde. Ich gewinne mehr als dass ich verliere. Das auf jeden Fall. Je gagne plus souvent que je ne perds, c'est un fait. Même quand ce sont que de petits montants, je suis content, bien sûr. Quand ça me rapporte un peu. Mais comme source de revenus, ça ne suffit pas. C'est plutôt un salaire d'appoint. Avec mes As, relance UTG à trois fois la grosse blinde en cash game. Dans l'espoir que ce type fasse monter les enchères. Mais non, il se couche et mes deux As m'ont rapporté la somme faramineuse de 15 centimes. Extraordinaire. Ingo et Mahir chassent le menu fretin. Mais ils ne doivent pas pour autant baisser leur garde, car les grands requins voraces ne se refusent jamais un bon petit repas. Trois de ces requins vivent ensemble en colocation sur l'île méditerranéenne de Malte. Ils se sont offerts un grand appartement spacieux avec vue sur mer et sur le casino. Vous y êtes déjà entré, vous ? Moi, j'ai déjà joué au casino, mais bon. Ça va peut-être vous paraître étonnant, mais ça nous intéresse pas trop. On trouve ça un peu barbant de jouer au poker autour d'une table. Ces requins ne chassent pas les poissons seuls. Ils s'attaquent au banc entier. Ils tapent dedans et isolent les plus faibles. On pourrait croire à première vue que la quantité tue la qualité, mais ce serait une considération très superficielle. Pour jouer à 20 tables à la fois pendant des heures d'affilée, il faut non seulement mettre au point une méthode ingénieuse, mais aussi déployer un talent et une discipline à toute épreuve. Moi, je superpose toutes les tables. On voit ici toutes celles auxquelles je joue en ce moment. Elles sont toutes ici. Quand j'ai une main intéressante, je clique sur la table en question et je regarde ce qui se passe de plus près. D'autres joueurs préfèrent avoir toutes leurs tables sur une même page, en mosaïque. Pour moi, le plus important, c'est de jouer aux tables les plus intéressantes. Les tables où se trouvent au moins trois mauvais joueurs. Mais ce n'est pas toujours facile. Eight for Klinger. I'm all in. Gone. And he makes his move, insta-call. Par une belle journée ensoleillée, Shwiti quitte Monte-Carlo plus riche d'1 700 000 euros. Tard dans la nuit, Crazy Ship essaie un nouveau portail. Prudent, il ne participe d'abord qu'à 4 tables et se passe de son fidèle logiciel. Il chasse un seul poisson qui se montre un peu récalcitrant. Il est là avec 1500 dollars, dont 400 m'appartiennent. S'il a un as, je peux récupérer tout son tas de jetons. Il n'a pas d'as. D'habitude, un type normal mise entre 20 et 35% de sa main, en gros. Ce joueur mise 80%. Ce n'est pas rentable du tout, et je cherche à l'exploiter. Ah, c'est peut-être la bonne. Dommage. Ce poisson a beaucoup de chance. Il arrive à s'extraire habilement de toutes les situations et à gagner.
Cette nuit, Crazy Chip s'est rendu à l'évidence qu'il ne mangerait pas le poisson. Sa proie a remporté 2000 dollars en misant 400 et finira par lever le camp. Tous chasseurs que nous sommes, nous devenons des proies de temps à autre. C'est logique. Nous nous asseyons à une table et nous ouvrons les hostilités pour obtenir la reconnaissance, l'argent, la satisfaction personnelle. Nous nous mesurons à une chance très volatile et regrettons ensuite les rares moments de perfection que ce jeu nous a fait connaître. Nous menons une lutte acharnée avec toutes les armes qui sont à notre disposition. Mais parfois, nous devrions savoir quand et comment lâcher prise. Le poker. D'où vient ce puissant engouement? Ou plutôt, qu'est-ce qui rend ce jeu si fascinant? Nous allons nous plonger dans un monde où le poisson est le perdant. Se faire traiter de poisson, de fiche, est une insulte. Le poisson est un piètre joueur. La nature du requin, en revanche, est celle d'un prédateur. Le requin, c'est le vainqueur. Il peut arriver que le poisson devienne prédateur et que le requin devienne proie. C'est dans l'ordre des choses. Nous allons prendre place à des tables où l'on se raconte des histoires. Mais méfiance, si certaines sont vraies, d'autres sont des mensonges. Gare au bluff. Et puis, ce serait une erreur de négliger la part d'imprévu de cet univers, la chance. L'univers dans lequel nous nous immergeons aujourd'hui est plutôt bien représenté dans les médias. Si on entre poker dans un moteur de recherche, on obtient plus de 300 millions de liens. Il existe des articles, blogs, pages de conseils et autres sites didactiques en ligne dans lesquels on peut trouver tout ce qu'on veut savoir et ce qu'on préférerait ne pas savoir d'ailleurs. On peut également visionner des centaines de milliers de vidéos qui montrent les dernières prouesses en date des héros modernes du poker. Des joueurs comme Ingo et Mahir appartiennent à la jeune génération qui a trouvé le chemin du poker sur Internet. Il y va ? Un adepte du slow play, il a checké sur les as. Non, il a misé au flop. C'est clair. Il sait ce qu'il fait. Pour moi, le poker, c'était avant tout un jeu de hasard. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que ça fasse appel à la stratégie, à la réflexion, ou à des formules mathématiques très pointues. J'étais persuadé que c'était du pipeau, que les grands, les joueurs professionnels, n'étaient que des personnalités creuses dont les médias avaient fait des icônes, un peu à la manière des catcheurs. Pour moi, tout ça n'était qu'une vaste supercherie, jusqu'au jour où j'ai découvert avec étonnement que tout était vrai. Oui, la chance a sa place, mais on ne peut pas réduire le poker à la chance. Les joueurs de poker sont souvent des autodidactes. La connaissance vient avec l'expérience. Pour Ingo, tout a commencé lorsqu'il a rencontré Rustam, un jeune russe qui gagne... L'acheter sous le manteau. Mon mari était allé m'en chercher à Las Vegas pour que j'aie au moins quelques conseils stratégiques à me mettre sous la dent. Parce qu'on se disait toujours qu'il devait bien y avoir une stratégie. Aujourd'hui, le poker, c'est un jeu très ouvert. On ne joue plus du tout en secret. Les joueurs, tous autant qu'ils sont bien mieux informés qu'on l'était à l'époque. Il y a des tournois à l'appel, on ne sait pas lequel choisir. Alors, Katia, tu vas où demain? À Chypre? Non, à Bali ou peut-être à Monte-Carlo. Je ne sais pas, mon cœur balance. On a un tel choix. Et chaque jour, il y a de nouveaux gagnants parce que les gens jouent en masse. Il y a 7-8 ans, ne serait-ce que 5 ans en arrière, lorsque je disais aux gens que je jouais au poker, ils me regardaient de travers.
Quoi ? Au poker ? Ils ne savaient pas trop quoi en penser. Ils se demandaient si je travaillais dans le milieu de la prostitution ou bien si la nuit, je me retrouvais avec des gens qui se tiraient des balles dans le genou sous la table en fumant le cigare et en se cachant derrière des cartes. C'était encore quelque chose d'extrêmement rare. Aujourd'hui, c'est devenu... C'est même cool de jouer au poker. Quand un jeune de 22 ans raconte à ses potes qu'il est professionnel de poker, il passe pour une superstar. Les temps ont bien changé. Se ressourcer une dernière fois, dormir un peu avant le combat sans merci, dans cette ville où même les immeubles ressemblent à des tours gigantesques de jetons de poker. On va descendre prendre l'air. Tu nous accompagnes ? Tu l'as réveillé ? C'est interdit, ça. Son sommeil, c'est sacré. Il faut le laisser dormir pendant au moins 10 heures, si on veut qu'il soit de bonne humeur. Et puis, il s'est trouvé que j'ai emménagé à Berlin, où je ne connaissais personne. Je me suis dit qu'il fallait que je me fasse des amis, mais les cours de danse, ça ne me bottait pas trop. Alors, je suis entrée dans un casino, parce que le poker, je savais faire et que c'était un bon moyen de rencontrer du monde. Je me suis présentée à l'entrée d'un casino un soir et j'ai cassé la baraque. Du coup, je n'étais absolument pas frustrée. Je ne suis pas repartie en me disant « plus jamais ça ». Au contraire, ça m'a motivée à recommencer et à me dépasser. Elle connaît le premier temps fort de sa nouvelle carrière en 2009 à Dortmund, pendant un des plus gros tournois du circuit avec 700 participants. Au bout de 4 longues journées à jouer avec acharnement, elle gagne sa place à la table finale. Je ne me suis pas vraiment rendu compte. Malgré les caméras et le public, j'étais ailleurs, dans mon monde. Je joue au poker, un point c'est tout. J'aurais pu tout aussi bien me trouver dans un casino ordinaire, ça aurait été pareil. Je n'avais aucune conscience de l'enjeu. Le donneur va-t-il poser un 9 ? Sandra mène avec 2 paires, les as et les 9. Qu'y a-t-il dans la rivière ? Un 8. Tonight, it's all about Sandra, only the second lady ever to win an EPT title. She said it was her destiny, and she was absolutely right. Après le tournoi, j'ai paniqué. J'étais dans ma voiture de location. Je rentrais chez moi et j'ai brutalement imaginé ce qui m'attendait. Est-ce que je voulais rentrer à Berlin et affronter les questions de tout mon entourage, de ma famille ? Non, vraiment pas. Alors, j'ai pris la première rue, j'ai entré hôtel dans mon GPS et j'ai passé 2 jours dans un hôtel spa où je me suis fait dorloter et j'ai regardé la télé sans faire tourner mon cerveau. Et là, j'ai fini par prendre conscience de ce qui s'était vraiment passé et de ce qui allait changer dans ma vie. Comment j'allais gérer ça ? Wunderbar. Jetzt brauche ich mal einen Gewinner. Blick. Ja, genau den. Sandra obtient la vie de rêve de tout joueur ambitieux. Elle signe un contrat lucratif et fait de son passe-temps un métier. Aujourd'hui, elle voyage 300 jours par an dans le monde entier. Elle va de tournoi en tournoi. Sa prochaine étape, c'est la finale de l'European Poker Tour à Monte Carlo.
on a la bonne carte au bon moment, on a une chance de battre le champion du monde. C'est ça qui est fascinant. Et aussi le fait que dans le poker, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de distinction entre le juste et le faux. Tout dépend de l'adversaire, de la situation, de notre état d'esprit, du sien. Parfois, ça vaut le coup de tenter le gros bluff. Mais si on se fait pincer, c'est terrible. On peut se faire sortir du tournoi. Il faut être fin psychologue, pas mal matheux. Et ensuite, selon l'adversaire et notre état d'esprit, on peut aller en finale ou se faire sortir dès le premier jour. En début de soirée, la plupart des superstars ont déjà disparu. Phil Ivey, considéré comme le meilleur joueur de poker à l'heure actuelle, reste à la table la durée de son massage. Je passe un excellent moment ici, mais je profite de la pause pour m'occuper de mes affaires. Ça me permet de rester concentré pendant la partie. C'est intense. Pendant la pause, Daniel Negreanu est très sûr de lui. Pourtant, peu de temps après, il quitte lui aussi la table sur la pointe des pieds. Puis, un peu avant la fin du premier jour, c'est au tour de Sandra Naoui-Yox. Elle a envoyé le tapis avec ses dames, mais son adversaire avait malheureusement des rois. Même les cartes communes n'ont pas pu l'aider. C'est fini. Statistiquement parlant, on remporte de l'argent une fois tous les 10 tournois. Il faut respirer profondément et rassembler tout son courage quand on se fait sortir après 3 bad beats d'affilée. Il faut l'accepter. C'est aussi ça, le poker. Même les joueurs les plus talentueux, avec les techniques les plus infaillibles, ne peuvent pas gagner à tous les coups. Certes, on peut réduire la part de hasard, mais on ne pourra jamais la maîtriser totalement. J'ai perdu 1000 dollars dans les 10 dernières minutes. Je réessayerai plus tard. La plupart des gens ne voient que le côté super cool de la vie de professionnel du poker. La partie elle-même se déroule en 4 tours d'enchères maximum, avant et entre la révélation des cartes communes. À partir de ce moment, on raconte des histoires. Certaines sont vraies et d'autres non. Miser ou relancer, est-ce que ça veut dire qu'on a une combinaison forte? Et si on ne fait que suivre, est-ce que c'est parce qu'on attend une carte ou est-ce pour faire mine d'avoir une main faible? On peut croire ce que disent les autres ou partir du principe qu'ils cherchent à nous mener en bateau. Une chose est sûre, on a un certain nombre de choix à faire. Et si on veut faire les bons choix, il faut évaluer ses adversaires et bien lire sur leur visage. Toute la partie s'articule autour de ce qu'on connaît des autres et aussi, surtout, de leur expérience. À la table, on est comme sur scène, dans un rôle. On enfile un masque et on donne une image de nous-mêmes qu'on va garder jusqu'à la fin de la partie et avec laquelle les autres vont composer. Par exemple, quand on a une image de joueur très prudent, on se donne la possibilité de bluffer dans des situations où on n'a absolument rien en main, en faisant croire qu'on a d'excellentes cartes. Le fait de passer pour un joueur prudent et raisonnable nous confère naturellement une certaine crédibilité. On ne ment jamais plus qu'à une table de poker. Ici, il n'y a pas de vérité absolue qui tienne, et on ne peut pas compter sur la parole de l'autre, car notre adversaire est de taille. C'est le bluff. Le bluff, on sait qu'il existe, mais pas où il se cache. Il représente la part anarchiste du poker. Il démolit les certitudes et empêche les protagonistes de se sentir en sécurité.
Au poker, le mensonge calculé est autorisé. Il joue même un rôle déterminant dans la stratégie. Et lorsqu'il est couronné de succès, il est magistral. Il est impossible d'avoir de bonnes cartes à chaque main, d'où l'intérêt de savoir composer au bon moment pour donner un coup de pouce à la chance. En ce qui me concerne, j'essaie généralement de donner une image de moi qui n'est pas spécialement celle d'un joueur prudent. Ce serait plutôt le contraire. Je veux passer pour quelqu'un d'inconséquent, de très agressif, d'imprévisible. Je suis celui qui risque tout quand il n'a rien. De cette façon, quand j'ai une bonne main, j'ai de grandes chances de toucher le gros lot. Je suis le genre de joueur qui recherche l'action. Je suis un boulimique. Je mise facilement au flop et je ne crains pas la confrontation. Par exemple, quand j'ai une bonne intuition sur telle ou telle main, je vais avoir tendance à m'y fier, même si l'action ne semble pas raisonnable, d'un point de vue strictement mathématique. Je fonce parce que j'ai l'intuition que ça peut marcher, mais du coup ça marche. Cela dit, je dois avouer que ces derniers temps, j'ai essuyé un certain nombre de revers. Mes intuitions n'ont pas été extraordinaires. Faut-il se lancer dans une aventure hasardeuse sur la seule foi d'une conviction profonde ? Ou est-ce que la somme de ses observations inconscientes et de ses expériences entraîne intuitivement le joueur à prendre la bonne décision ? L'amateur suit plutôt son instinct. Le joueur confirmé, en revanche, se fie davantage à la puissance inébranlable des mathématiques. À partir de quelques formules, il fait des calculs de cotes pour chaque partie. Un bon joueur ne se mouille que si les statistiques lui sont favorables. Sur le long terme, s'il joue beaucoup de mains, il est quasi certain de remporter une victoire. Mais sur le court terme, il se peut que la chance du débutant lui fasse obstacle. À la donne, la paire de dames est une main très forte, la troisième après les as et les rois. Alex est a priori le joueur le mieux loti de la table. Il peut commencer à faire monter la pression pour décimer ses adversaires. Pour relancer, seuls les adversaires qui ont d'aussi bonnes cartes pourront suivre, pourvu qu'il n'y ait pas d'as ou de roi dans le flop. Que faire ? Si on se fie à la raison, on se dit qu'un des adversaires a peut-être un autre as dans sa main, donc une paire d'as, donc une main plus forte. Il faut laisser tomber. Si on obéit aux lois mathématiques, on se dit qu'on a environ 15% de chance d'améliorer la main au prochain tour. Un brelan de dames, par exemple. On attend. Si on se base sur l'expérience, on se dit qu'il y a du bluff dans l'air. Et l'intuition, alors ? Je suis. Turn. Tapis. Il fait tapis. Je suis. Tapis, il suit. Ma main est moins bonne. Non, elle est moins bonne. Roland de Valet. Les dames. Roland dame. N'hésite pas à faire tapis. Il a une cote de 70 pour 30. Mais le flop apporte un 5 à son adversaire et un brelan à la rivière. Il avait tout fait dans les règles de l'art, pourtant il perd. La chance. Quelques tours plus tard, il tire sa révérence. C'est l'issue classique des tournois de poker. Tous les joueurs doivent apprendre à l'accepter. À sa table se trouve une des joueuses les plus réputées du circuit, Sandra Naoui-Yox. Elle a participé à son premier tournoi en 2006. 5.
Au départ, je me suis retrouvée là par hasard. J'ai commencé en ligne, comme la plupart des gens de nos jours. Mais le vrai déclic, je l'ai eu quand j'ai joué en live. J'ai découvert que c'était vraiment ça qui me plaisait dans le poker. Essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête des autres joueurs, les observer, me faire une idée sur eux et sur leur jeu, déceler les indices, repérer leurs faiblesses et les exploiter. Ce qui m'intéresse, c'est le côté psychologique du jeu. C'est vraiment ce qui m'a poussé à dire, c'est ça que je veux faire, ça et rien d'autre. Et puis, il s'est trouvé que j'ai emménagé à Berlin, où je ne connaissais personne. Je me suis dit qu'il fallait que je me fasse des amis, mais les cours de danse, ça ne me bottait pas trop. Alors, je suis entrée dans un casino, parce que le poker, je savais faire et que c'était un bon moyen de rencontrer du monde. Je me suis présentée à l'entrée d'un casino un soir et j'ai cassé la baraque. Du coup, je n'étais absolument pas frustrée. Je ne suis pas repartie en me disant « plus jamais ça ». Au contraire, ça m'a motivée à recommencer et à me dépasser. Elle connaît le premier temps fort de sa nouvelle carrière en 2009 à Dortmund, pendant un des plus gros tournois du circuit avec 700 participants. Au bout de 4 longues journées à jouer avec acharnement, elle gagne sa place à la table finale. Je ne me suis pas vraiment rendu compte. Malgré les caméras et le public, j'étais ailleurs, dans mon monde. Je joue au poker, un point c'est tout. J'aurais pu tout aussi bien me trouver dans un casino ordinaire, ça aurait été pareil. Je n'avais aucune conscience de l'enjeu. Le donneur va-t-il poser un 9 ? Sandra mène avec 2 paires, les as et les 9. Qu'y a-t-il dans la rivière ? Un 8. Tonight, it's all about Sandra, only the second lady ever to win an EPT title. She said it was her destiny, and she was absolutely right. Supérieure. Ils partent en quête de cercles où le poker a toujours été joué dans la clandestinité. Rares sont ceux qui s'inquiètent sérieusement du fait que leur pratique soit illégale. Ceux qui leur inspirent la crainte ou le respect, ce n'est pas une descente surprise des forces de l'ordre, mais plutôt certains adversaires qu'ils affrontent dans les arrières-salles. On se retrouve régulièrement et on met en jeu de grosses sommes. Je suis un peu stressé, je vais voir à quelle sauce je vais être mangé. Je dois essayer de garder mon sang-froid, surtout au début. Éviter de donner l'impression que je suis le petit nouveau à plumer. Je risque fort d'être un tout petit poisson très vulnérable dans la fosse au requin. Ici, on joue au Texas Hold'em No Limit en cash game, c'est-à-dire que les jetons ont une vraie valeur en euros. On peut en racheter au fur et à mesure, de façon à jouer aussi longtemps qu'on le souhaite. Le cash game, c'est le poker à la mode capitaliste. Ingo, pour sa part, préfère les casinos. Ici, il participe à une variante du cash game, le tournoi. C'est pour ainsi dire le poker à la mode socialiste. Chaque joueur démarre avec la même somme, le même nombre de jetons, les mêmes chances de gagner. Mais il ne joue qu'une seule fois. Quand il n'a plus de jetons, il quitte la table définitivement. Le vainqueur est celui qui a tous les jetons de ses adversaires devant lui à la fin de la partie. Il peut empocher jusqu'à 1000 euros. C'est sans doute la combinaison d'informations connues et inconnues, donc une certaine transparence, qui suscite un tel enthousiasme pour le poker moderne. Chaque joueur reçoit 2 cartes fermées qu'il est le seul à connaître. S'y ajoutent l'une après l'autre 5 cartes communes à toute la table. Le flop, le turn et la rivière. Les joueurs utilisent ces cartes pour compléter leur jeu. Autant d'indices qui permettent à chacun de déduire des informations importantes sur la main de ses adversaires. La partie elle-même se déroule en 4 tours d'enchères maximum, avant et entre la révélation des cartes communes. À partir de ce moment, on raconte des histoires.
Certaines sont vraies et d'autres non. Miser ou relancer, est-ce que ça veut dire qu'on a une combinaison forte? Et si on ne fait que suivre, est-ce que c'est parce qu'on attend une carte ou est-ce pour faire mine d'avoir une... Le monde du poker aime se parer de superlatifs, y compris dans ses versions numériques. Des millions de joueurs se rencontrent 24 heures sur 24 sur diverses plateformes. Selon les tables, les mises peuvent aller de quelques centimes à plusieurs milliers d'euros. Dans cette arène, on assiste à la naissance de millionnaires et à beaucoup de traversées du désert. Tout semble se dérouler de la même façon que dans le poker en live, à une exception près. On ne peut pas regarder ses adversaires dans les yeux. Impossible de lire dans leurs pensées. Derrière des pseudos se cachent de vrais joueurs en chair et en os. On peut affronter des Lettons, des Français, des Chinois, des Russes et des Mozambicains et spéculer sur leur façon de jouer. Lorsqu'un joueur met longtemps à réagir, est-ce que ça signifie qu'il n'arrive pas à se décider ou est-il occupé à répondre au téléphone, à réceptionner une pizza ou à se disputer avec sa petite amie? Les informations dont on dispose sont maigres et les interprétations difficiles. Oui, l'as au turn. Non, et le 10. Merde. Je gagne plus souvent que je ne perds, c'est un fait. Même quand ce sont que de petits montants, je suis content, bien sûr. Quand ça me rapporte un peu. Mais comme source de revenus, ça ne suffit pas. C'est plutôt un salaire d'appoint. Avec mes As, relance UTG à trois fois la grosse blinde en cash game. Dans l'espoir que ce type fasse monter les enchères. Mais non, il se couche et mes deux As m'ont rapporté la somme faramineuse de 15 centimes. Extraordinaire. Ingo et Mahir chassent le menu fretin. Mais ils ne doivent pas pour autant baisser leur garde, car les grands requins voraces ne se refusent jamais un bon petit repas. Trois de ces requins vivent ensemble en colocation sur l'île méditerranéenne de Malte. Ils se sont offerts un grand appartement spacieux avec vue sur mer et sur le casino. Vous y êtes déjà entré, vous ? Moi, j'ai déjà joué au casino, mais bon. Ça va peut-être vous paraître étonnant, mais ça nous intéresse pas trop. On trouve ça un peu barbant de jouer au poker autour d'une table. Ces requins ne chassent pas les poissons. Hôtel dans mon GPS. Et j'ai passé deux jours dans un hôtel spa où je me suis fait dorloter et j'ai regardé la télé sans faire tourner mon cerveau. Et là, j'ai fini par prendre conscience de ce qui s'était vraiment passé et de ce qui allait changer dans ma vie. Comment j'allais gérer ça? Sandra obtient la vie de rêve de tout joueur ambitieux. Elle signe un contrat lucratif et fait de son passe-temps un métier. Aujourd'hui, elle voyage 300 jours par an dans le monde entier. Elle va de tournoi en tournoi. Sa prochaine étape, c'est la finale de l'European Poker Tour à Monte-Carlo. Le monde du poker aime se parer de superlatifs, y compris dans ses versions numériques. Des millions de joueurs se rencontrent 24 heures sur 24 sur diverses plateformes. Selon les tables, les mises peuvent aller de quelques centimes à plusieurs milliers d'euros. Dans cette arène, on assiste à la naissance de millionnaires et à beaucoup de traversées du désert. Tout semble se dérouler de la même façon que dans le poker en live, à une exception près. On ne peut pas regarder ses adversaires dans les yeux. Impossible de lire dans leurs pensées. Derrière des pseudos se cachent de vrais joueurs en chair et en os.
On peut affronter des Lettons, des Français, des Chinois, des Russes et des Mozambicains et spéculer sur leur façon de jouer. Lorsqu'un joueur met longtemps à réagir, est-ce que ça signifie qu'il n'arrive pas à se décider ou est-il occupé à répondre au téléphone, à réceptionner une pizza ou à se disputer avec sa petite amie? Les informations dont on dispose sont maigres et les interprétations difficiles. Oui, l'as au turn. Non, et le 10. Merde. Je gagne plus souvent que je ne perds, c'est un fait. Même quand ce sont que de petits montants, je suis content, bien sûr. Quand ça me rapporte un peu. Mais comme source de revenus, ça ne suffit pas. C'est plutôt un salaire d'appoint. Avec mes As, relance UTG à trois fois la grosse blinde en cash game. Dans l'espoir que ce type fasse monter les enchères. Mais non, il se couche et mes deux As m'ont rapporté la... Et une dernière fois, dormir un peu avant le combat sans merci, dans cette ville où même les immeubles ressemblent à des tours gigantesques de jetons de poker. On va descendre prendre l'air. Tu nous accompagnes ? Tu l'as réveillé ? C'est interdit, ça. Son sommeil, c'est sacré. Il faut le laisser dormir pendant au moins 10 heures. Si on veut qu'il soit de bonne humeur. En général, je me lève vers 14 ou 15 heures. Je prends mon petit déjeuner quand je le sens. Si j'ai faim, je vais regarder ce que j'ai à manger. Parfois, mon petit déj, c'est de la paella. Ensuite, ça dépend. Une fois que je suis bien réveillé, je vois si j'ai un truc à faire en particulier. Parfois, je sors un peu. Ça m'arrive. Sinon, je traîne jusqu'au soir, quand je commence à jouer. En gros, mes journées ressemblent à ça. Je joue peut-être jusqu'à 5 heures du mat, et je me recouche. C'est ma journée type. J'appelle ça de la cuisine de niveau 1. Quand j'arrive à faire cuire un truc dans la poêle. Le niveau 0, c'est une pizza au four. Là, c'est du niveau 1. L'accès facile au savoir grâce à Internet fait constamment...